gauche, mon petit cadet. Ce serait presque calme. S'il n'y avait pas la route, quoi. Il fait très beau aujourd'hui. Très, très beau. Tu sais, mon petit boubou, il faut apprendre à communiquer, même en tant que chien seigneur, convenablement avec ses congénères. Bon, je sais, celui qui vient de passer n'était pas très aimable. Mais enfin, quand même, est-ce là une raison d'aboyer comme ça de bon matin ? On vient de faire un petit jeu, alors forcément vous vous doutez que c'est des petits jeux vraiment très soft. Mais elle est contente. On a fait le petit jeu du matin. On a... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, mon bébé ? On a aboyé sur les congénères qui sont pas aimables. En tant que labrador qui se respecte, je ne suis pas d'accord, je défends mon jardin. Et puis voilà. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait, Boubou ? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, Boubou ? Le couifu ? Je vous montre un peu Luna, parce qu'à chaque fois, vous êtes inquiets, comment va Luna et tout. Donc, bon, bah, puis là, comme elle en a de fait, elle en a rien à péter, voilà. Hein. On va faire un petit instant, garden papote, même si c'est pas dans mon garden. Et que c'est sur banc public papote. Jeudi prochain, j'ai un gros rendez-vous au CSO. Prise de sang, diététicienne. Ouais, je rencontre la Nutri. Parce que je suis suivie par les deux. Diététicienne cette fois. Et ensuite, tout ce qui concerne l'activité physique adaptée. Et j'ouvre le bal avec un test d'effort. Pas si vous vous souvenez, surtout si vous étiez là à ce moment-là. Mais à l'époque, j'avais reçu un courrier du CSO pour tenir un journal de bord alimentaire. Et en fait, j'ai commencé ce journal de bord parce qu'il faut faire ça sur plusieurs jours. Et ce journal de bord consiste à mettre tout ce qu'on mange, mais aussi ses ressentis. Et je m'aperçois quand même d'un détail, parce que le but du jeu, c'est de jouer franc jeu, justement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et je m'aperçois d'un détail, c'est quand même que, généralement, je note les heures. Et aux alentours de 23h, 23h30, quand je ne dors pas, je note souvent que je ressens un petit peu la faim. Ça titille au niveau des bruits. Rien à voir, mais vous voyez, sale glow. Sale glow. Vous voyez un peu ce sale glow ? Ça pousse. Hein. Ah, c'était la minute autosatisfaction, il en faut. Hein. J'aimerais parfois, vous savez, dans mes utopies personnelles, j'aimerais parfois me réveiller et d'avoir 50 kilos de moins. Pour juste voir, me rappeler ce que c'est. Juste ça, en fait. Et c'est même pas tant, même s'il y a... Attention, il y a un facteur. Hein. C'est même pas tant pour le... Comment je dirais ? Pour la beauté du physique. Je veux pas dire c'est pas tant pour le physique, pour la beauté du physique. C'est juste pour sentir ce que ça fait de à nouveau de se sentir légère. J'adorerais retrouver ça. On a un petit soleil de fin de journée qui s'installe, c'est très très agréable. De toute façon, tout ça pour vous dire que je vous tiendrai au jus jeudi à l'issue de ces rendez-vous. Et que là, on va entrer dans le vif du sujet, en fait. Pour qu'on puisse imaginer qu'on réussisse quelque chose, il faut qu'il y ait l'espoir. Et j'ai l'espoir. C'est déjà un bon pied dedans. C'est déjà... Je suis un peu comme tout le monde et je suis un peu... Je dirais à titre personnel, hein, j'ai des moments où je me dis, fais chier. Voilà, donc où je procrastine un peu par rapport à la perte de poids, où j'ai des envies comme un être humain lambda. C'est pas parce que t'es gros que t'as pas des envies de craquage. Hein. Ça, c'est vous prendre pour des triples cons que de vous faire entendre ça. Mais y a un temps pour tout. Et là, il est temps pour moi d'enfin me sortir de cette merde. Voilà, il est grand temps, il est plus que temps. Le temps est même bien passé, mais toujours sur une expression datant de Louis XIV, ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais. Voilà mes petits cadets. Sur ce, je vais aller retrouver la mouche et puis nous allons faire un petit repas léger. Ouais. Parce que j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir une famille qui m'aide beaucoup sur ce point-là aussi. Allez, aïe, à chaque fois la feuille à la revoyure. Ma petite YouTube Worlds, j'étais en train de faire le montage de ce que j'ai filmé en banc public papote devant chez ma maman. Et je voulais me reprendre, me corriger moi-même sur certains propos. J'aurais pu les couper, mais disons que ça aurait...
au niveau de ce que je racontais, ça ne l'aurait pas fait. Quand je parle de la beauté du physique, parce que je vais tout justifier, quand je parle de la beauté du physique, je parle évidemment de ce que moi, je considère être la beauté du physique. Bien entendu que nous avons chacun et chacune un avis bien personnel sur la question. Et vous le savez, je ne suis pas langue de hut. Pour moi, l'approche de me sentir belle physiquement passera forcément par le fait de perdre du poids. Voilà. Ça ne veut pas dire que je me sens immonde. Bon, je me sens pas belle. Hein. Disons qu'il y a des jours avec et il y a des jours clairement sans. Mais je voulais bien quand même préciser que quand je parlais de la beauté du physique, c'est dans ma perception, dans mon œil. Qu'on soit bien clair. Voilà. Écoutez-moi, pour l'heure, je vais m'allumer une petite bougie que j'ai achetée récemment. Je crois que c'est la nouvelle collection de chez Action. Bougie Triwick, hein. Vous savez, moi j'adore cette marque avec la mèche crépitante. Et je vais lire un petit peu. Et puis ce sera bien pour ce dimanche soir. Premier round. Me voilà bien arrivé à Bonpeur. J'ai de l'avance, évidemment. Café. Alors, à titre tout à fait exceptionnel, je parle bas parce qu'il y a du monde, je suis sur une gouléante mousseuse, communément appelée cappuccino. Et ben, c'est pas très bon. C'est pas très très bon, pourtant, c'est une gouléante qui est assez mousseuse, là, pour le fait. Mais je trouve pas ça très jovial. Voilà. C'est-à-dire que le cadrage de ce moment de vidéo est tout à fait exceptionnel. Mais en fait, pour vous dire une vérité, déjà, il y a du monde. Je pense que vous entendez au loin. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous épargne de vous filmer comme ça. Je vous épargne et je m'épargne moi aussi au passage parce que ça va aller 30 secondes. Mini gouléante, gouléante quand même. C'est pas bon, hein. C'est cappuccino, c'est... En tout cas, celui-là, c'est pas très bon. J'ai une seule appréhension, la prise de sang. Écoutez, hein, de toute façon, il va falloir que je m'habitue. Mais j'ai une autre appréhension un peu conne. C'est que je rencontre, donc, comme je vous le disais, le nouveau diététicien, sachant que j'avais rencontré, moi, la diététicienne. Elle est partie. Et j'ai une petite appréhension parce que c'est un homme. Pas l'appréhension, comme vous l'entendez, l'appréhension parce que est-ce que je vais réussir à me livrer autant par rapport à s'il me pose des questions, mon corps, machin. Est-ce que je vais réussir à me livrer autant avec un homme? La toute petite appréhension que j'ai. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là parce qu'on se reprendra après tous mes rendez-vous pour que je fasse un point, que je vous fasse le point de ce qui s'est passé. Mais sachez que je suis, même si ça se voit pas, hein, je déborde pas d'enthousiasme, je suis très très contente parce que là, ça y est, début des hostilités. Bon, comme vous pouvez le constater, je vais pas me battre. Pour attendre entre deux rendez-vous, il y a quand même pire cadre. Je suis pas bien là, sur mon petit banc. Je suis très très bien, je crois, mes petits cadets, que vous n'imaginez pas, ou peut-être que si pour d'autres circonstances. Là, je viens de terminer, j'ai une pause, je vais aller faire le test d'effort ensuite. Je viens d'avoir en premier lieu la cellule psy, ça s'est très bien passé, vraiment. Il y a une avancée qui, selon l'équipe, est très très chouette compte tenu du point de départ. Et alors, il y a des gens comme ça, il y a des personnes qui croisent vos chemins. Au début, j'étais réticente avec un homme, ça va pas être simple. Je crois que j'ai fait la rencontre du siècle d'un point de vue médecin. Le mec à lui seul réussit à te réconcilier avec le genre humain. Une bienveillance, mon copain, mais dans son sens vraiment la définition propre du terme. Sur un plan nutritionnel, bien évidemment, je vais vous donner les grandes lignes sans rentrer dans le détail du détail du détail. Mais en gros, je suis arrivée là avec ma fiche Dr Mu et ses recommandations, avec ce que je ne dois pas faire et ce que je peux faire.
Je lui ai donné tout ça. Il m'a dit, alors ça, c'était très bien, mais en 1980. On a dit, on travaille, nous, en tant que professionnels de la nutrition, à déconstruire tout ce qui est militaire et qui, au gramme près, on fonctionne plus comme ça, en fait. Il a dit, la balance alimentaire, c'est l'ennemi de la personne qui essaie de se sortir de son obésité, de son surpoids, c'est l'ennemi. Bon, bah là, écoutez, j'ai envie de vous dire que les choses sont assez claires. Donc, il m'a dit ça, c'était bien, il y a 40 ans. Ce qui a contribué à fabriquer ce trouble du comportement alimentaire, c'est toute la frustration, ces limites, ces interdits que je me suis posée depuis toutes ces années. Alors que moi, je pensais que peser, avoir besoin d'une rigueur militaire et tout, c'était ce qui me convenait. Lui vient de me dire que pas du tout, en fait. Pas du tout, et que ça contribue en fait à alimenter le trouble déjà en place. On a eu un pan de discussion sur justement, lui il est très très agacé par tout ce qui peut se dire et se contredire sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Lui est convaincu que toutes ces personnes qui s'improvisent un peu professionnelles de la nutrition, qui disent ce qu'il est bon de faire et ce qu'il n'est pas bon de faire sans avoir aucune compétence, pour lui ça contribue aussi, ça, en tout cas ça pose un risque de développer des troubles du comportement alimentaire chez les gens. Je veux dire, il y a des mecs qui font 5, 6, 7, 8 ans d'études. Il est vrai que quand tu y penses, ça me semble, c'est un peu rhétorique, parce que quand tu y penses, ça me semble couler de source. J'ai plaidé coupable en lui disant que je suis moi-même très active sur les réseaux sociaux et que il m'est arrivé de partir sur un discours tel que je crois que ça, j'imagine que c'est ça, je pense avec l'expérience que j'ai ça, qu'il se passe ça. Je lui ai dit, moi-même, j'ai dû faire ce genre de choses et après réflexion et après cette consultation archi intéressante, mais vous imaginez pas à quel point je me sens requinquée et hypée par cette rencontre, à quel point si jamais j'ai induit une personne en erreur ou que j'ai fait faire des conneries à quelqu'un, mais je vous présente mes excuses parce que c'était pas le but en fait. Et on se rend pas compte de la portée de ses propos, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut croire. Je l'ai fait rigoler parce qu'il me dit, est-ce que vous aviez posé pour vous le fait d'être hyperphage? Alors je lui dis non, puis c'est sorti de bon cœur, je lui dis non, moi pour moi j'étais un Pac-Man et puis il y a des moments je Pac-Manais, mais pas du tout hyperphage. Bon, ça l'a fait rigoler, le Pac-Man il s'en est parmi. Hein. Et ça fait tellement de bien d'entendre quelqu'un qui enfin ne vous pointe pas du doigt parce que vous avez des mots un peu durs pour vous. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'on peut parler un peu de votre rapport au corps et de l'estime de soi? Vous me connaissez, j'y suis pas allée de main morte, je l'ai prévenu, j'ai dit attention, je vais avoir des mots peut-être qui grincent. Et il m'a pas jugé en fait. Il m'a pas dit ce truc que font tous les médecins. Ouais, faut pas parler dans ces termes-là, vous savez, machin. Il m'a laissé dire. Et voilà, parce que c'est mon ressenti, parce qu'il avait pas envie de coller une frustration sur mon ressenti. C'est la première fois que je ressors avec un schéma et pas une fiche à suivre à la lettre avec des grammages. Oh, c'est beau. Enfin bref, le rendez-vous avec ce nouveau nutritionniste que je craignais, c'est passé, mais d'une merveille. Vous n'avez pas idée, vraiment, parce que vous n'êtes pas dans mon corps, ni dans mon cœur, mais à quel point ce rendez-vous m'a fait un bien, mais un bien indescriptible. Sur le rendez-vous avec la cellule psy, il y a vraiment une nette amélioration sur l'approche, sur ce qui a été fait aussi, par rapport notamment, je lui ai expliqué l'épisode où le jour de l'anniversaire de mon père, on s'est réunis plutôt que de macérer chacune de notre côté. Et ça, elle m'a dit, ça c'est super chouette. Bref, j'ai réussi à exprimer certaines choses, cette fois sans chialer. Et voyez comment je ressors. Ça fait tellement de bien d'entendre quelqu'un te dire, quelqu'un qui a les compétences, qui sait de quoi il parle, te dire, mais vous savez, vous avez le droit de ne pas vous accepter dans votre situation actuelle. Putain, sans déconner, pour une fois que quelqu'un ne t'envoie pas chier ou ne t'impose pas avec des injonctions et te dire, vous avez le droit. C'est votre droit de ne pas aimer le corps dans lequel vous êtes actuellement. C'est votre droit, au même titre que quelqu'un qui accepte et qui fait avec. Vous avez le droit. Je vais tester, sur leur proposition, je pouvais refuser, une approche hypnose.
par rapport à mon deuil, par rapport, puisqu'on sait que le MDR n'a pas donné grand chose, et elle comprend parce que ça marche pas chez tout le monde. Donc on va faire une approche hypnose, voir ce que ça peut donner. Pareil, là je suis hyper hypée, parce que je veux voir déjà si je suis réceptive, et puis je pourrais me faire mon propre avis sur la question, si jamais ça fonctionne. Sur un plan nutrition, qu'est-ce que je dois travailler très très fort pour le moment? Déjà, virer ses habitudes militaires de peser. Manger, parce que là c'est le gros problème, le gros point noir, et pour ceux et celles qui ont déjà mangé en ma compagnie, connaissent le problème, c'est la raison pour laquelle quand il s'agit d'aller au restaurant, c'est un problème. Manger en beaucoup plus que 5 minutes. Il me dit, sachez qu'un repas convenablement pris en termes de timing, c'est 30 minutes. J'ai du travail. Parce que forcément, ça joue surtout. Un repas pris en 5 minutes, il n'y a pas le temps, comment je peux dire, pour vulgariser un peu le truc, les informations ne passent pas. La mastication, n'en parlons même pas, là on est au bout du rouleau. Donc, eh ben, évidemment, à 23h30, minuit, j'ai faim. Et le corps réclame. Et donc, moi, comme je suis un petit peu... Je ne céderai pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Bah parfois, ça finit par craquer. Et c'est ce qui a créé, quelque part, mon hyperphagie, ces crises à tout péter, de temps en temps, parce que j'ai trop retenu. Je ressens en plus une sorte de véritable faim. Et je pète la gueule à ce qui me passe sous la main dans le frigo. Ne surtout pas me mettre à table si je viens d'avoir une émotion négative et sans être parasité. Ça veut dire pas de téléphone, ça je prends pas le téléphone à table, pas de téléphone, pas de télé, pas de musique. Au calme, on est en osmose avec son repas. Voilà les grandes lignes de ce fabuleux rendez-vous. Après, le seul truc, c'est quand je vais être hospitalisée, voir s'il y a une merde hormonale, et auquel cas, en tout cas, je suis très contente. Je vais vous laisser parce que dans 10 minutes, test des formes. Déjà, sachez que je n'ai pas eu le test des formes. Ce qui n'est pas pour me déplaire. J'ai rencontré donc ce professionnel en activité physique adaptée. Je repars avec un plan d'action pour travailler correctement. Écoutez, tous les rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui, c'était une révélation. J'ai même pas les mots. Je repars de là, je suis... Vous allez avoir un peu la nausée, mais il faut bien quand même que j'avance. Je vais récupérer mon bus, j'ai un tout petit peu de bus pour revenir. Je vous ai laissé un peu comme un rond de flanc, mais c'était ça où je loupais mon bus. J'étais en train de vous expliquer mon entretien avec le professionnel de l'activité adaptée. Et j'allais vous expliquer ce qui a été mis en place. À premier point, vous vous doutez, Just Dance. Bon, alors Just Dance, il est pas contre, mais il est pas pour, dans la mesure où mollo les bras et les je me prends pour une chorégraphe professionnelle, parce que mes articulations et notamment mon début d'arthrose cervicale et tout ça, mollo. On va y aller doucement, on verra comment ça se dégoupille après. Je peux, mais tranquille quoi, tranquille. Pas trop se prendre pour Kamel Wally. En gros, pour résumer, la piscine, évidemment. Sauf que nous, alors, j'ai quand même une très bonne nouvelle. Pour moi, parce que pour vous, vous vous en tapez un peu l'oignon quand même. Mais ça y est, on a eu confirmation de l'ouverture de ce sublime complexe piscine sur Franqueville, à 5 minutes, pour le premier trimestre 2025. Ça va saigner. Notre élément à nous, principal, c'est la marche. Alors la marche, je fais. Hein. Mais je n'imaginais pas que pour faire la marche, il fallait la faire correctement. Moi, je me suis dit, je marche. Je marche, quoi. Ça évite une certaine sédentarité. Bah non, pour optimiser la perte de poids, puisque c'est quand même mon objectif, il y a un plan de marche à suivre. Et on a mis ça en place, qui s'appelle le 2-1. Lundi, mardi, marche avec un plan à suivre. Dans ce plan quotidien, il y a deux séquences à faire à l'intérieur de ce plan. Une marche
promenade, dite promenade, et une marche rapide avec une durée bien déterminée pour et la séance de marche en elle-même et pour les deux séquences dans la séance de marche. Lundi, mardi, avec des durées qui diffèrent d'un jour sur l'autre pour autant les deux séquences que la journée de marche. Tu suis? Lundi, mardi, mercredi, off. Voilà, pas de séance à faire. Jeudi, vendredi, marche avec aussi une autre durée et deux séquences différentes. Samedi, off. Et dimanche, on se bouge la nouille et on se fringue et on va marcher. Pourquoi? Bah parce que généralement, le dimanche, on se laisse un petit peu tranquillou bilou, tatillonner de l'iPad et la lecture, sans bouger d'un iota. Et bah lui, il veut casser ça et lever mon énorme séant le dimanche pour aller tâter des champs et de la prairie près de chez moi. Les jours off sont obligatoires. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aller faire des courses en marchant, mais la séance en elle-même, avec ce qui est indiqué en séquence dedans, je ne dois pas la faire. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de marcher les jours off. Je vais respecter qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, comme j'ai pas envie de me racheter un tapis, j'en ai eu un, je l'ai revendu, j'en veux plus. Il va falloir que j'investisse dans un coupe-vent, un coupe-pluie, un poncho, je sais pas quoi, mais jusqu'au prochain rendez-vous, je vais être intransigeante sur ce point-là, parce que c'est la condition sine qua non quand même pour que, au bout du compte, en plus de tout ce que je vais mettre en place sur l'alimentaire pour que ça fonctionne. Le nutritionniste que j'ai vu aujourd'hui, lui part d'un principe très simple, que les interdits, hein, les interdits, c'est pareil. Les interdits ont été conçus pour créer des frustrations. Et qui dit frustration sur un très long terme? La preuve, j'ai été éduquée, moi, alimentairement, et quand il s'agit de faire attention, j'ai été éduquée avec le mot régime. Et d'ailleurs, je tiens quand même à signaler, parce que je trouve que c'est important, lui, le médecin que j'ai vu aujourd'hui, alors le terme régime, il est pas très fan, mais il est pas très fan non plus du terme rééquilibrage alimentaire. En fait, lui, son truc, c'est que ce qu'on met en place là, c'est juste un mode de vie adopté. Il n'y a pas de rééquilibrage ou de régime ou quoi que ce soit du genre. Et vous savez, il m'a dit un truc très intelligent. Il m'a dit, vous savez, peu importe généralement dans quel domaine, mais alimentairement, ça se tient encore plus, quand on vous impose un interdit, généralement, vous allez dedans. Au bout du compte, vous finirez par aller dedans. Il a schématisé un petit peu le truc en disant, c'est comme un enfant. Si vous lui dites de pas le faire, il va le faire. Donc lui, il n'est pas trop pour les interdits. Et une fois encore, il a mis dans le truc, c'est une question de bon sens. C'est une question, parce qu'on n'est pas tous dotés du bon sens, voilà. Et puis, parfois, on s'accommode un peu du bon sens. Mais il est question aussi un petit peu d'écouter son corps, d'écouter les informations. Et ça, pour moi, ça va être méga compliqué, parce que moi, j'ai plutôt habitué mon corps à dire, oh, ferme bien ta gueule. Et c'est là où, pour moi, ça va être vraiment un vrai boulot. J'ai un défi et plusieurs challenges à relever, là, mais vous n'avez pas idée. Globalement, écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette journée. Je vais aller me poser et mettre ma petite série en route. Je suis sur une série conseillée par ma fille. Je suis à Donf. Supracel. Je suis à Donf. Et en tout cas, la synthèse, vous l'aurez compris, hein, de cette journée, c'est que je me sens mais revigorée. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé la kryptonite, en fait. Non pas que je me prenne pour Superman, mais voilà, j'ai l'impression que même si rien n'est réglé, que j'ai bien conscience que ma problématique, tout ce poids que j'ai à perdre va être un très long chemin et ça va être beaucoup de travail, mais je suis motivée, en fait. J'en suis pas là en 3 mois, si vous voulez. Donc il faut pas espérer rétro-pédaler en 3 mois, tu vois. Donc j'ai bien conscience de tout ça, hein. Je suis pas perchée, je sais la masse de travail qui m'attend, je sais l'implication qui m'attend, je sais le don de soi que ça va me demander, mais je suis bien entourée. Je sais pas si vous pouvez imaginer le truc, et je l'espère pas pour vous, que vous pouvez vous imaginer, voilà... Mais d'avoir d'un coup d'un seul cette impression, je suis vraiment ressortie comme ça aujourd'hui, l'impression de me dire, ça y est, on m'entend, on m'écoute, je suis à ma place, j'ai l'impression d'avoir vraiment décoquillé tout
Et je respire. Il y a du boulot, il y a une tonne de boulot. Je commence à avoir de vraies clés enfin, de vrais mots. On a posé un nom sur ce que j'ai. J'arrive à dire que bah oui, j'ai un trouble du comportement alimentaire, même si ça me gratte littéralement la langue. Mais ça y est, voilà. Et ça, c'est du positif à fond, en fait. Pour peut-être, depuis longtemps, je suis optimiste. Moi qui suis d'un naturel pessimiste, je suis méga optimiste. Hein, c'est bon, je vais aller me coucher sur une note comme ça. C'est formidable. Eh ben voici enfin le résultat de mon combat après quelques jours. Je me suis acheté, elle est balèze, hein. Je me suis acheté une valise, une grande valise, parce que moi, j'avais que ma petite cabine quand je vais faire un week-end ou quoi. Je vous dis pas la mission, parce que je me suis dit, ouais, je voulais une 90 litres, légère et 90 litres, parce que vous le savez, je pars une semaine. Mais moi, je pars une semaine, je prends mes masques LED, toute ma routine. Bon, il faut du linge de lit, même s'il est fourni, je veux mon linge de lit. Il me faut des serviettes, des gants, tout ça, même si c'est fourni, je prends les miens, bref. Hein, névrose un jour, névrose toujours. Et alors, aucun action. Il y en a eu trois de fait. Aucun action n'avait des valises de cette taille. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a le U-Technique à côté de chez moi. Bon, je vais peut-être la douiller un peu plus. Mais passons. Eh bien, figurez-vous que pour une 90 litres qui fait 4 kilos à vide, elle coûte moins cher que la 90 litres qui, normalement, devait être chez Action, mais ils n'ont plus rien. Chez Action, les trois qui ont été faits, il n'y avait que de la valise cabine. Je l'ai payé 42,90 € contre celle que je voulais chez Action qui était à 49,90 €. Donc elle est mignonne, elle est rose. I'm a Barbie girl in the Barbie world. 43,99 €, pardon. Et ben, elle est toujours moins chère que celle de chez Action avec un code et tout. Donc ça sent bon. Ça sent bon les septembristes. Mes petits cadets, c'est la bougie dont je vous parlais dimanche dernier. Me semble, gamme Triwick de chez Action, je crois, parce que je l'avais jamais vu, je crois que ça, elle fait partie de la nouvelle collection automne, caramel et cachemire, vous savez, avec la mèche qui crépite. Ce truc, pour son tout petit prix, sent très 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 bon. J'achète, hormis les chandelles évidemment, mais j'achète que cette gamme-là chez Action, parce que je trouve qu'elle brûle très très bien, que j'ai mon petit effet crépitant, et que 4,99 € quoi. Donc, chez Action, j'achète que ça. Les autres, j'en suis pas satisfaite. Mon petit cadet. Nous sommes vendredi. Et moi, je viens clore le vlog qui n'en est pas un au demeurant. Alors, même si je vous ai embarqué un peu avec moi à Bois-Guillaume, tout ça. Mais je vais l'appeler vlog parce que je ne sais pas comment l'appeler. Donc, c'est un contenu en tout cas très ciblé sur tout ce qui s'est passé cette semaine, mes ressentis pré-rendez-vous CSO et mes ressentis et ce qui se passe post-CSO. Et aujourd'hui, donc, j'ai commencé à mettre en application certains conseils, me suis servi de certains outils et je dois quand même vous faire un premier retour. Je vais quand même faire un premier retour parce que j'ai respecté ce truc de manger sans être parasité. Pas de téléphone hors ligne. Bon, ça c'est pas un problème, je le mettais pas hors ligne avant. Mais là, pour ne pas être parasité par les notifications et autres joyeusetés du genre, hors ligne. Éteinction de la télé, pas de musique, rien, le silence. Ah ça, c'est quelque chose. Alors moi, je me demande, comment ai-je fait dans les années 80 pour survivre à ça, parce que nous, il n'y avait pas de télé à table, c'était pas question, la télé elle était dans le salon, mais il n'y avait pas de manger, nous on mangeait dans la cuisine, il n'y avait pas de télé dans la cuisine. Comment avons-nous pu survivre à cette lointaine époque? Parce que là, et j'ai l'impression d'être... Rose DeWitt Bucketer dans le Titanic et attendre l'absolution. Effectivement, ça change complètement la dimension de ton repas. Résultat des courses sur le repas, parce que je me suis quand même... Je lance le chronomètre et je retourne le téléphone. Le repas de ce midi, j'ai mis 11 minutes 50. On s'était fixé 10 minutes dans un premier temps avec le nutritionniste. Donc, contrat respecté. Ça m'a semblé très long, sachant que normalement, c'est une demi-heure. Et je vais vous montrer un deuxième constat. J'ai gardé l'assiette pour vous montrer
parce que ce soir, j'ai réussi à manger en 18 minutes. Pour vous, ça va vous sembler normal, évidemment, mais pour moi, c'est 18 minutes, pour moi, c'est un... Pardon, c'est un record. Moi, je mange dans cette assiette. Et ben, qu'est-ce qui se passe sur des portions qui, ordinairement, j'aurais englouties, ben, parce que je prends pas le temps de manger, pas le temps de mâcher, pas le temps de mastiquer, et que... Ben, regardez ce qui me reste sur mon repas de ce soir. C'était du riz avec du poulet et escalope de poulet coupé et des haricots verts. Voilà, sachant que mon assiette compartimentée, elle est comme ça. Là, c'est l'espace légumes. C'est ça le schéma dont je vous parlais. L'espace légumes, l'espace féculent et l'espace viande. Et après, à côté, bien entendu, j'ai le droit de me prendre une crudité dans un bol et ma portion de laitage ou substitut, puisque moi, je mange... je suis à donf depuis quelques mois, je vous l'avais dit sur un petit retour de course, je suis à donf sur les yaourts soja-son, que j'adore, à toutes les saveurs. Le nutritionniste m'a dit, à partir du moment que vous sentez que ça y est, vous avez plus faim, vous arrêtez. Bah, vous vous rendez compte de la différence. D'habitude, ça, je t'aurais Pac-Man et l'histoire. Rien qu'en prenant son temps, en posant ses couverts entre deux, n'avoir aucune source qui vienne parasiter, ah bah non seulement j'ai pas faim, et en plus, bah, j'ai pas fini l'assiette. Le schéma est typiquement celui que, qui va avec l'assiette. Heureux, ma petite YouTube World, on est tôt le matin, samedi matin. Je suis en train de terminer le montage pour l'envoyer. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à cette assiette compartimentée. Je peux comprendre que ce soit chiant de manger dans cet outil, mais c'est pas grave en fait. C'est plutôt que la balance alimentaire, c'est une assiette qui peut vraiment servir d'outil. Si après vous aimez manger dans une assiette normale et avoir tout rassemblé, vous mettez chaque aliment dans le compartiment prévu à chaque aliment et après vous transférez dans une assiette normale. C'est vraiment juste cet outil d'assiette compartimentée. C'est vraiment juste en fait ce qui remplace pour moi la balance alimentaire. Et je vais vous donner un petit tips parce qu'on dégage pas quand même, comme je vous le disais, en une journée des habitudes qu'on a. J'ai quand même tenu à vérifier les dosages, que ce soit en produits céréaliers, que ce soit en légumes ou en viande, dans l'assiette compartimentée. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. J'ai pesé. Hein. À Levis, il est... Je commence seulement à travailler. J'ai pesé et c'est parfait. Donc, doublement apaisé. Je me dis, je peux faire confiance à cette assiette compartimentée. Voilà, je voulais vraiment faire ce petit aparté. C'est ça, ma fiche régime. Ça, que vous trouvez partout, je pense. À la seule, le seul inconvénient, c'est que celle que vous... ou pas hein, d'ailleurs, hein, celle que vous trouvez, vous allez avoir deux portions égales là-haut et une grande en bas. Là, fallait vraiment que la portion soit plus petite pour la viande, voyez. Donc, je pense que ça se trouve, hein, voilà. Bah, je suis plutôt ravie de cette expérience, même si quand tu es habitué à prendre tes repas, d'avoir la télé, le téléphone, gling-lang-ling-lang, et que d'un seul coup, il n'y a plus rien, eh bah, t'apprécies ton repas. C'est con, mais il avait raison. En même temps, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je te disais, hein, le mec, c'est un pro, hein, donc bon. Autre détail que j'ai oublié de vous dire, qui a quand même son importance compte tenu qu'on est sur l'objectif d'une perte de poids, hier, bien évidemment, j'ai été pesée. Et j'ai été surprise une fois encore parce que on n'a pas cherché, les professionnels qui m'encadrent, n'ont pas cherché à minimiser ma déception. Depuis la dernière visite, il y avait un certain poids. Et quand je suis montée sur la balance hier, elle affichait, moi, 1,7 kg, je crois. Moins 1,7 kg. Donc, je vois, hein, je vois très bien. Hein. Je les regarde, c'est quand même pas lourd. Hein. On m'a dit, non, effectivement, même si c'est de la perte, c'est vrai que dans votre situation, je comprends que vous puissiez être déçue de votre résultat. Nous, on se dit, voilà ce qui m'était dit, nous on se dit que ça va dans le bon sens, mais nous comprenons que vous soyez déçus. Ah bah, je leur réponds, déçu c'est peu de le dire, parce que ça ou rien, alors ils ont d'autres lignées, parce que non, c'est pas ça ou rien, mais 1,7 kg, dans l'état actuel des choses, pour moi c'est
une goutte d'eau dans un énorme océan. Hein. Est-ce que j'ai le droit à un repas de relâche? Est-ce que j'ai le droit à... Ben, en fait, j'ai ni le droit ni pas le droit. Comme m'a dit le nutritionniste, nous ici, on ne vous propose pas de régime, on ne vous propose pas de rééquilibrage alimentaire, on vous propose de modifier votre mode de vie et votre approche alimentaire. Donc, c'est encore une fois à vous de voir à quel moment vous avez besoin de lâcher un peu. Vous avez besoin de vous faire plaisir. En gros, c'est à moi de définir. Est-ce que je m'impose un repas hors des clous pendant la semaine? Bah, j'ai très envie de vous dire que si mon corps demande ce repas un peu... Alors attention, un repas relâche, c'est pas un repas où tu bouffes que de la merde. Hein. Voilà, ça peut être des quantités un peu plus élevées, ça peut être un aliment qu'ordinairement dans ta semaine tu vas pas utiliser mais qui te fait plaisir. Éventuellement, ça peut être un dessert que tu ne t'octroies pas en temps normal, d'autres sortes de repas mais qui est censé te faire plaisir sans te faire éclater la panse. Ça aussi j'ai très bien compris parce que pour moi une journée off, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire, aujourd'hui c'est journée off, je me fais éclater la panse. Eh ben pas du tout. Une fois de plus, j'étais encore bien à côté de la plaque. Ah ben, il y a tout à déconstruire. Hein. Là en fait, l'affaire est assez simple. De tout ce que je pensais bien faire, j'étais à côté de la plaque. Je dois tout déconstruire, tout reconstruire et en faire un mode de vie. Ah oui, si je fais la synthèse, c'est exactement ça. Ce rendez-vous m'a requinqué au niveau moral, au niveau énergie, au niveau optimisme. C'est un truc de dingue en fait. Comment à un moment, une personne, parce que j'ai vraiment été très contente de cette rencontre avec le nutritionniste, mais comment une équipe en fait habilitée, qui a les bons mots et qui a le mot juste et qui... ne cherche pas à minimiser ou même amplifier, t'écoute, accueille ce que tu leur dis sans jugement, comment ça peut tout changer en fait. Et qui se contente pas de te regarder, il te donne une fiche, tu suis ça, on t'explique pourquoi il est pas bon de faire ci, pourquoi il est mieux de faire comme ça, sans être dans le tu dois, tu sais, ça reste un échange, on est dans l'échange. Comment ça peut tout changer? Je suis tellement optimiste que je me dis, je vais me sortir. Là, déjà, je vous l'ai dit, j'y crois. Mais là, j'y crois encore plus, quoi. Alors, laissez-moi être sur mon nuage si ça me fait plaisir, parce que je sais qu'il y aura peut-être certaines personnes qui passent et qui vont dire, ouais, l'autre, elle nous répète ça depuis des années, machin, nana. Oui, mais même si je vous répète ça depuis des années, j'étais jamais tombée sur une équipe comme ça. Donc c'est peut-être ce qui fera la différence. Dès lundi, j'attaque le plan de marche. J'ai hâte aussi d'essayer avec ça, voir... voilà, je suis dans une très bonne dynamique, alors j'en profite. J'en profite, enfin, bref, de toute façon, vous verrez un peu tout ça. Alors il est vrai, hein, je ne vais pas vous mentir, il est vrai que même si on ne va pas rester focus là-dessus, mais il y aura des petits retours dans les vlogs à venir... sur comment je me sens, voilà, très très bref, mais ça fait partie de mon quotidien. Comment je vous avais dit, dès lors que ça se lancera avec le CSO, il y aura peut-être un petit peu plus de partage à ce niveau-là. Donc en même temps, vous étiez prévenus, mais bon, toute ma vie ne tourne pas non plus autour du CSO, mais quand même, voilà. Que vous dire de plus là tout de suite? Donc que cette semaine, il y a des vidéos prévues qui ne sont pas encore tournées, mais je vais les tourner. Enfin, j'en ai une à monter. Et je vais essayer de m'avancer. Puis à part ça, bah, c'est tout. C'est tout. C'est une semaine qui commençait un petit peu dans des questionnements. Est-ce que ça va bien se passer? Et qui se termine très très bien. J'ai la patate. Ça, j'ai... Je suis très contente. Je me sens heureuse là et ça fait du bien. Bref, vous avez compris, je ne vais pas repartir dans des méandres d'explications. Donc bah, moi, me reste à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Plein de bisous et à mercredi, mes petits cadets. I'm